Oh Heavenly Father, we come to you in the name of Jesus. Ô tendre Père céleste, nous venons à toi au nom de Jésus. And we know that we are totally dependent on you. Et nous savons que nous avons à compter sur toi totalement. And we want to thank you for your faithfulness and kindness toward us. Et nous voulons te remercier pour ta fidélité et ta bonté manifestée envers nous. And we need you in our life. Nous avons besoin de toi dans nos vies. So purify us. Alors Seigneur, purifie-nous. Create a pure heart within us. Crée en nous un cœur pur. And fill us with your Holy Spirit. Et remplis-nous de ton Saint-Esprit. And also with your joy and peace. Et également avec ta joie et ta paix. And give us the full assurance of salvation. Et donne-nous l'assurance totale du salut. That we can in our life also bring this joy which comes from you to other people. Afin que nous puissions communiquer aux autres la joie que tu amènes dans notre vie. So bless us now when we will open your scriptures again. Alors Seigneur, alors que nous nous apprêtons à ouvrir tes saintes écritures une fois de plus, bénis-nous encore. And teach us. Et enseigne-nous. You will be our teacher. C'est toi qui seras notre maître, notre enseignant. That we can be encouraged to follow you. Afin que nous soyons encouragés à te suivre. And to follow you faithfully. Et à te suivre avec fidélité. And we thank you for your presence. Nous te remercions pour ta présence. In the precious name of Jesus. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour. Dieu est bon. Amen. Tout le temps. Amen. Yes, it's a great joy for me to be here again this morning. Eh bien, être avec vous aujourd'hui, ce matin, c'est une expérience qui me remplit de joie. And I hope that you are fresh to study the Word of God. Et j'espère que vous êtes bien rafraîchis pour étudier la parole de Dieu. I am fresh because I was swimming in your beautiful Caribbean Sea for 1 hour. Ah, vous savez, moi je me sens très frais parce que pendant une heure ce matin, je suis allé me baigner dans votre belle mer Caraïbe. Oh, it was gorgeous. Ah, c'était magnifique. And then I had a very good breakfast prepared by, you know, the beloved sister here. Et il y a une de nos bien-aimées sœurs qui m'a amené le petit déjeuner. And I even taste fruit. Yesterday evening and this morning, which I never tasted before in my life. Et hier soir ainsi que ce matin, j'ai goûté à des fruits que je n'avais jamais goûté auparavant dans ma vie. It was a taste of paradise. C'était un avant-goût du paradis. So I am seriously thinking to move the theological seminary from Berrien Springs to Martinique. Je considère sérieusement de déménager le séminaire théologique de Berrien Springs dans le Michigan ici à la Martinique. Well, I need to start the collection. Je dois commencer à faire une collecte pour ça. It will be magnifique. Mais ce serait vraiment magnifique. Well, I am so glad that we know that God is for us and never against us. Mais je crois que c'est une excellente chose pour nous de savoir que Dieu est pour nous et pas contre nous. He loves us more than we can even think and imagine. Il nous aime beaucoup plus que nous ne pouvons l'imaginer. Penser. And he's doing everything possible that we can spend the whole eternity with him. Et il fait tout ce qui est possible pour que nous passions l'éternité avec lui. He's in love with us. Il est amoureux de nous. He wants us with him. Et il voudrait que nous soyons avec lui. And when we know his goodness and kindness and faithfulness toward us, et lorsque nous connaissons sa bonté, sa miséricorde envers nous, we also want to serve him. Alors nous aussi, à notre tour, nous voulons le servir. Not that we have to, but we want to. Non parce que nous devons le servir, mais parce que nous désirons le servir. Because we know how good he is. Parce que nous savons à quel point il est bon. And he's good all the time. Et il est bon tout le temps. And this is this wonderful message we are presenting to this world. Et c'est ce magnifique message, ce merveilleux message que nous présentons au monde. No, because God is smiling on us. Parce que Dieu nous sourit. We can smile also. Alors nous aussi nous pouvons sourire. Amen. Pas vrai? Amen. Because God is smiling on us, we can smile on each other. Alors parce que Dieu nous sourit, nous pouvons nous sourire les uns aux autres. And this is very beautiful. As God loves us, we are able to love also. Et c'est vraiment merveilleux parce que Dieu nous aime, alors nous aussi nous pouvons aimer les autres. And this morning I would like again to open something from this beloved God who loves us, who wants to give us the best instruction that we know what's going on in our life and in the life of the whole world.
Tu m'as perdu là. Yes. Alors, une fois de plus ce matin, encore nous voulons ouvrir la parole de Dieu pour découvrir ces choses magnifiques qui y sont contenues afin de les appliquer dans nos vies et les partager avec ceux qui sont autour de nous. You are very good, you see, you can remember everything. I try. And I would like now to open with you again this beautiful gospel according to Daniel. Et je voudrais une fois de plus ce matin ouvrir ce merveilleux livre, l'Évangile selon Daniel. Daniel means God is my judge. Daniel signifie Dieu est mon juge. And our God is not only our judge, he is also our creator, he is our intercessor, he is our Lord. Dieu n'est pas seulement notre juge, il est également notre créateur, notre intercesseur, notre Seigneur. He is also our personal friend. C'est également notre ami personnel. And we can continue on and on. Et nous pouvons because continuer. He's everything for us. Et nous pouvons continuer ainsi parce qu'il est tout pour nous. And he wants to build this meaningful relationship with us. Et il désire avoir cette relation profonde avec nous. This is why he's giving us his revelation. Et c'est la raison pour laquelle il nous donne sa révélation. But he also is telling us that not always everything in life is magnificent and beautiful. Mais il nous dit également que tout dans la vie ne sera pas toujours magnifique et beau. It's not always like the walk through the garden, like here in Martinique, through the, in the paradise. Vous savez, la vie, ce n'est pas toujours comme marcher dans le beau jardin qu'est la Martinique, et le paradis qu'est ici. It's the scriptures are telling us that there is war in this world. Les Écritures nous disent qu'il y a une bataille dans ce monde, la guerre. It's a spiritual war. C'est une guerre spirituelle. There are forces of evil here. Which are fighting against the forces of good. Il y a une bataille entre les forces du mal et les forces du bien. And we call as Seventh-day Adventists this spiritual warfare as great controversy. Et nous, en tant qu'adventistes, nous appelons cette grande bataille entre les forces du bien et les forces du mal la grande controverse. And in this great controversy, we are not sitting as spectators. Et dans cette bataille, la grande controverse, nous ne sommes pas là assis comme des spectateurs. We are on the stage. Nous sommes là impliqués. We are part of the drama goes here. Nous faisons partie. Nous sommes dans le scénario. Nous faisons partie de ce qui se déroule. And the scriptures are giving us something what is behind the scene, what you cannot see. It's open to us. Les Écritures nous donnent un aperçu de ce qui se passe en coulisses, ce qu'on ne peut pas voir. And in this last vision. Great unit in the book of Daniel. Et dans cette dernière grande vision, ce dernier segment du livre de Daniel, which consists of chapter 10, 11 and 12. Et je parle là de la partie qui est composée par les chapitres 10, 11 et 12. We have this additional insight, beautiful insight into that great controversy. Nous avons donc cet aperçu supplémentaire, ces informations complémentaires sur la grande controverse. And of course, we cannot go through all these three chapters in this 1 hour we have. Maintenant, dans l'heure qui est devant nous, nous ne pouvons pas vraiment faire le tour de ces trois chapitres. So I would like to give you the big picture. Donc j'aimerais vous donner une image globale. Because sometimes we are studying, you know, the tree or even the leaf in the big forest, and we don't know where this one leaf is in that scenario of the big forest. Parfois nous focalisons sur un détail, nous voulons étudier la petite feuille qu'il y a sur la branche de l'arbre qui est dans la grande forêt, et parfois nous ne comprenons pas quelle est la place de cette petite feuille dans l'image globale. So what I would like to give you is now this big forest that you know what is it. And what is the way through that forest? Moi, ce que j'aimerais faire ce matin, c'est vous donner une idée de ce qu'est la grande image, de la grande forêt, de telle sorte que nous sachions quel est le chemin qu'il y a et comment nous pouvons traverser cette grande forêt. So I will not be, you know, doing like exegesis of one particular tree or this one leaf. Donc but the big picture. Mon objectif ne sera donc pas de faire une exégèse de chaque détail, expliquer en détail ce qu'est cette petite feuille dans la forêt, mais de donner plutôt l'image globale. So ready for the study of the scriptures? Alors, est-ce que vous êtes prêts pour l'étude des Écritures? Very good. So, très bien. Take this gospel according to Daniel. Donc, prenons l'Évangile selon Daniel. And let's open chapter 10. Et ouvrons ce livre au chapitre 10. And then it's stated right away that what happened to Daniel
It was in the third year of Cyrus, king of Persia. Et le texte s'ouvre en nous apprenant ce qui se produit, ce qui est arrivé à Daniel. Nous sommes là dans la troisième année du roi de Cyrus. And now, from yesterday, we already know that this is the year now 536, 535 before Christ. Et nous savons qu'il s'agit des années entre 536 et 539 avant Jésus-Christ, donc du règne de Belshazzar. How old is Daniel now? À cette époque-là, quel âge a Daniel? You know that he was born in 523, 522. Vous savez qu'il est né. And now we have 535. En 522, 523. So he must be now. Et là, on est en 535, 88 years old. Donc, il a certainement 80 ans. So a man of ripe age and with great wisdom and insight. C'est un homme d'âge mûr qui a beaucoup de sagesse et de discernement. And still he does not know everything. Et malgré cela, il ne connaît pas tout. He is totally dependent on God's revelation. Il compte totalement sur la révélation de Dieu. And we read that in that year when he is 88 years old, a revelation of God was given to him. Et donc dans cette année où il est déjà très âgé, 88 ans, eh bien une révélation lui provient de l'Éternel. And you read also that this vision he had, this revelation was concerning this great war. Et nous apprenons donc que la révélation qui lui parvient concerne cette grande bataille. This is this spiritual warfare, great controversy. Nous parlons de la grande controverse, de cette grande bataille spirituelle. And then you have the statement in the, at the end of verse 1, that the understanding of the message came to him in a vision. Et nous avons à la fin du verset 1er où il nous est dit, donc il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. And you can also know now something about the lifestyle of Daniel. Et vous avez maintenant une idée du style de vie qu'avait Daniel. Because verse 2 is telling you that this vision came to him after he was fasting and praying to God for 3 weeks. Et nous apprenons donc dans les versets qui suivent que cette vision lui parvient après qu'il ait passé 3 semaines à prier, à jeûner. He was not like totally fasting, but he eliminated everything which was like the beautiful luxury of life. Alors, ce n'était pas un jeûne complet, mais il avait éliminé de son alimentation tout ce qui était superflu, tout ce qui constituait un luxe. Because he is saying, I ate no choice food. Alors, comme le verset 3 nous dit dans la version française, je ne mangeais aucun mets délicat. And for 3 weeks, he humbled himself before the Lord. Et pendant donc 3 semaines, il s'est humilié devant le Seigneur. You know, there are different types of fasting described in the Bible. Il y a plusieurs types de jeûnes qui sont décrits dans la Bible. You know, there is a type of fasting when you completely restrain from food. Et il y a ce jeûne, par exemple, où on s'abstient totalement de toute nourriture. Or there is another fasting when you restrain from some this delicacies of life. Il y a un autre jeûne où on s'abstient de mets délicats, pour reprendre l'expression de Daniel. But the most important thing is always to be in relationship with God. Mais l'élément le plus important dans tout cela, c'est de toujours être dans une relation convenable avec l'Éternel. And Daniel felt that he needed more and more the Lord, not less and less. Et Daniel, lui, pensait qu'il avait besoin de davantage, encore plus et plus le Seigneur, et non pas de moins en moins. You know, everything what is described in the book of Daniel, it was already his experience. Vous savez, tout ce qui est écrit dans le livre de Daniel, c'était déjà son expérience. Till chapter 9. Jusqu'au chapitre 9. So he already saw how God rescued his 3 friends from the fiery furnace. Donc à ce moment-là, il savait déjà comment Dieu avait sauvé et délivré ses 3 compagnons de la fournaise ardente. He was already delivered by the Lord from the lion's den. Il avait lui-même déjà été délivré par le Seigneur de la fosse au lion. He was interpreting the dream to Nebuchadnezzar. Il avait déjà donné au roi Nebuchadnezzar l'interprétation du songe. He was interpreting to the last king of Babylon, Belshazzar, the inscription of the on the wall. Il avait déjà donné l'explication au roi Belshazzar de l'écriture qui avait été inscrite sur le mur. Yes, he was in one time
like the prime minister in the most important world empire of the world. Et à l'époque, il était ce qu'on pourrait dire l'équivalent du premier ministre dans ce qui était la première puissance mondiale de l'époque. He was the director of the Academy of Sciences. C'était lui le directeur de l'Académie des sciences. He was at the head of all the wise men in Babylon. Il était à la tête. Il était à la tête de tous les hommes de Babylone ou de l'empire médo-persan maintenant. So he had a great insight. Donc great experience. Il avait une grande expérience, beaucoup de discernement. But still he knows that he needs that relationship with God. Mais cependant, il était convaincu qu'il avait besoin d'avoir cette relation avec Dieu. You see that this man is a very humble man. Donc nous pouvons voir par là que cet homme Daniel est un homme très humble. To be humble doesn't mean that you are sitting somewhere in the corner and you say no word. Être humble ne signifie pas qu'on est assis dans un coin avec la bouche fermée. To be humble means that you recognize that you have a very great need of this relationship with God. Être humble signifie que l'on reconnaît que l'on a besoin absolument de cette bonne relation avec le Seigneur. You recognize that you don't have it. You need this gift from above. Vous reconnaissez que vous ne l'avez pas et que vous avez besoin de ce don qui vient d'en haut. And then when he's praying and fasting and building this relationship with God by this daily walk with him. Alors que Daniel prie et jeûne et qu'il construit cette relation avec Dieu, une relation qu'il veut quotidienne avec l'Éternel. It is written on the bank of the great river of Tigris. Et là, il dit donc qu'il se trouve au verset 4, on apprend donc qu'il est au bord du grand fleuve qui est Hiddekel. And then suddenly he sees a special person. Et soudain, il voit un personnage spécial. Verse 5 says, I looked up. Au verset 5, il est dit, je levai les yeux. And there before me was a man dressed in linen. Et je regardais, voici, il y avait un homme vêtu de lin. With a belt of the finest gold around his waist. Et ayant sur les reins une ceinture d'or du phase. His body was like chrysolite. Son corps était comme de chrysolite. His face like lightning. Son visage brillait comme l'éclair. His eyes like flaming torches. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. His arms and legs like the gleam of burning bronze. Ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli. And his voice like the sound of a multitude. Et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Well, when we are reading the description of that special man dressed in linen, lorsque nous lisons la description qui est faite de cet homme vêtu de lin, who has the golden belt, qui a une ceinture d'or sur les reins, and all like burning fire, et qui a des yeux comme des flammes de feu, you understand that you are in the presence of the priest or of the high priest. Vous comprenez bien que vous êtes en présence du grand prêtre. And if you compare this description with some other places in the scriptures, et si vous comparez cette description avec celle qui est faite à d'autres endroits de la Bible, like in Ezekiel chapter 1, par exemple dans Ézéchiel chapitre 1, when you have also that grandiose vision of Ezekiel when he looked that something is coming from the north, on voit dans Ézéchiel cette extraordinaire vision où il voit quelque chose qui arrive du nord. And he see after all this description that there is like a divine chariot going. Et après toute la description, il voit comme s'il y a un chariot divin qui arrive. And then above all these cherubims which were there, there was a person. Et il y a à côté de tous ces chérubins qui sont présents, il y a un personnage, une personne. It was somebody like a man, but he was full of flame. Mais c'est un personnage qui ressemblait à un homme, mais qui était environné de flammes. And Daniel or Ezekiel says at the end of the chapter, you know what I saw? This was the God Himself. It was the glory of God. Et Ézéchiel dit à la fin de ce chapitre que ce que j'ai vu, eh bien, c'était comme Dieu. C'était Dieu lui-même qui apparaissait.
If you go to Revelation chapter 1, si vous allez dans Apocalypse chapitre 1, you have also a beautiful vision of the person which is Jesus Christ. Là encore apparaît une extraordinaire description d'un personnage qui se trouve être Jésus-Christ. Also full of fire and flame là and encore, blazing light. Environné de flammes, les yeux comme des flammes de feu. So if you put all these things together, this is very clear that this person here, this man dressed in linen, is nobody else that from our Christian perspective you say is Jesus Christ. Et lorsqu'on rassemble tous ces éléments et qu'on connecte les différents points, on arrive à la conclusion que le personnage décrit ici dans Daniel n'est autre que Jésus-Christ lui-même. So what a beautiful picture. Imagine Daniel all life is serving the Lord. Quelle image magnifique. Imaginez que Daniel pendant toute sa vie a servi le Seigneur. And he saw, you know, Christ already working in life. Et il a déjà vu que le Christ travaille dans sa vie. He saw him in vision, but also in real life. Il l'a vu en vision, mais là maintenant il le voit en vrai. But it was more only spiritual, vision of him. Mais c'était donc ce que nous disons, c'est qu'il y avait une vision spirituelle du Seigneur. But now we can see that he has like the personal encounter with Jesus. Mais là, dans l'incident cela que nous présentons, c'est comme s'il avait une rencontre personnelle avec le Seigneur. And then from verse 7, you have this description of his reaction. Et au verset 7, eh bien, il nous est présenté la réaction de Daniel. I, Daniel, was the only one who saw the vision. The man with me did not see it, but such terror overwhelmed them that they fled and hid themselves. Moi, Daniel, dit le verset 7, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point, mais ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils prirent la fuite pour se cacher. So I was left alone, gazing at this great vision. Je restais seul et je vis cette grande vision. So you see that only Daniel was now in the presence of God. Donc nous réalisons ici que Daniel se retrouve seul dans la présence de Dieu. De Jésus. The other were hiding. Les autres sont partis se cacher. But only Daniel has now this personal encounter. Et seul Daniel a cette rencontre personnelle avec But le it's Seigneur. An overwhelming encounter. Mais c'est une rencontre tellement extraordinaire. He as a sinful person encountering with the Holy Lord. Lui en tant que pécheur qui se trouve face au Seigneur rempli de sainteté. That we read. I had no strength left. On lit dans la deuxième partie du verset 8, les forces me manquèrent. My face turned deathly pale and I was helpless. Mon visage changea de couleur et fut décomposé et je perdis toute vigueur. And then I heard him speaking. Et au verset 9, j'entendis le son de ses paroles. And when Jesus Christ was speaking, it was like a lullaby for Daniel. Et lorsque Jésus parlait, eh bien c'était comme une berceuse pour Daniel. Because we read, and as I listened to him, I felt in a deep sleep, my face to the ground. Parce qu'il est dit ici, lorsque j'entendis le son de ses paroles, je tombais, la version française en tout cas dit, je tombais frappé d'étourdissement, la face contre terre. Well, if somebody in the Bible is falling down with the face down, lorsque dans la Bible on nous dit que quelqu'un tombe par terre, face contre terre, you know that this posture is posture of homage. Vous savez que ça c'est la posture lorsqu'on rend hommage. No, he wants to worship. Il est dans une posture this divine person. D'adoration face à ce personnage divin. And when Jesus started to speak, he is overwhelmed and he is like in that posture. And et lorsque cet homme commence à parler, eh bien Daniel est submergé et il ne peut faire autre chose que de tomber dans une posture d'adoration. And then we don't know how long he was in that sleep. Et nous ne savons pas combien de temps a duré cet état de torpeur. But in verse 10 we read that a hand touched Daniel. Mais au verset 10 nous apprenons qu'une main a touché Daniel. And set me trembling on my hands and on my knees. Il secoua mes genoux et mes mains. So you see, he's really still down. Donc, à ce moment-là, il est toujours prostré, face contre terre. And he said, Daniel. Et la voix dit, Daniel. You who are highly esteemed. Homme bien-aimé.
Consider carefully the words I am about to speak to you and stand up. Sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout. For I have now been sent to you. Car je suis maintenant envoyé vers toi. And when he said this to me, lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout, but still trembling. Mais en tremblant encore. So see that imagery here which wants to be created in front of your eyes. Donc remarquez bien l'image qui est en train de se dessiner devant vos yeux. So Daniel was prostrating before Jesus. Donc Daniel est prostré devant Jésus. And suddenly a hand is touching him. Et soudain une main le touche. This hand is giving him power that he can finally even stand up. Et cette main lui communique de la force qui lui permet finalement de se tenir debout. And that person who touched him says, "Well, I was sent to you." Et cet être qui le touche lui déclare, j'ai été envoyé vers toi. And I have a special message for you. Et j'ai un message spécial à te communiquer. And but before I will tell you all what will happen, you know, in that great controversy. Je vais te dire tout ce qui va se produire hein, dans cette grande controverse. I have to tell you that you, Daniel, you are very special to God. Mais auparavant, je dois te dire, Daniel, que tu es quelqu'un de spécial aux yeux de Dieu. You are highly esteemed. Tu es un homme bien aimé, extrêmement bien estimé. Let me pause here and tell you that all of you are highly esteemed by God. Laissez-moi faire une pause ici et vous dire que vous êtes tous des personnes bien aimées du Seigneur. Now what God said to Daniel, he wants to say to you, to me, and to all of us. Ce que Dieu dit à Daniel, il désire le dire également à vous, à moi et à chacun d'entre nous. Because God so highly esteemed us that he was willing even to die for us. Dieu nous aime tant, il nous estime tant qu'il a été désireux de donner même sa vie pour nous. Can you imagine? We are reading in the writings of Ellen G. White that Jesus Christ would be willing to die even for one sinner. Vous imaginez ce que ça veut dire dans les écrits d'Ellen White? Nous lisons que Dieu nous aime tant qu'il était prêt à mourir, même s'il s'agissait de sauver une seule personne. I don't know if you can value that love of God when you know that Jesus Christ would die even for you if you would be the only one in this world. Je ne sais pas si vous imaginez à quel point, est-ce qu'on arrive à comprendre la valeur de cet amour? Est-ce que vous estimez à sa juste valeur l'amour de Dieu de telle sorte qu'il soit désireux de donner sa vie pour sauver une seule personne? Si cette personne c'était vous, il le ferait quand même. No, only when we value that more and more, we suddenly realize that we are not nobody. Et lorsque nous prenons cette chose à sa juste valeur, alors nous réalisons que nous ne sommes pas n'importe qui. You know, our value is the value of the life and death of the Lord Jesus Christ. Notre valeur nous est donnée par la vie et la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Now, sometimes I am meeting Christians and Seventh-day Adventists and they are very shy. Vous savez, je rencontre parfois des Adventistes du septième jour qui sont parfois très timides. And I was also very shy. Then I realized that I have a great value. Moi aussi, j'étais très timide, hein, renfermé sur moi-même, jusqu'au jour où j'ai réalisé que j'avais une grande valeur. And that I cannot cultivate the sense of inferiority. Et je ne pouvais pas cultiver ce sentiment d'infériorité. We have the Savior who is giving us the value from outside of us. Il y a ce Sauveur magnifique qui nous accorde une valeur qui vient de l'extérieur, une valeur qu'il amène en nous. Our value does not depend on our performance, or our achievements, of our abilities. La valeur qu'il nous accorde ne dépend pas de nos capacités, de nos réalisations, de nos aptitudes. Our value does not depend on our gender or our ethnicity or our nation. Notre valeur or our family. Ne dépend pas de notre sexe, de notre provenance ethnique, de notre famille. Our value comes from above. Mais notre valeur nous est donnée, elle vient d'en haut.
And what God said to Daniel, or this person here, ce que Dieu dit à Daniel par l'intermédiaire de ce messager, that you are highly esteemed, this is what God is telling to each one of us. Tu es bien aimé, et c'est ce même message que Dieu communique à chacun d'entre nous. Yes, you are, you know, beloved of God. Vous êtes des bien-aimés de Dieu. And this is what we need to have in our mind, always fresh. Et c'est ce qui doit rester constamment dans notre esprit. You know, our problem in life is that we are forgetting so often and so quickly. Vous savez, notre problème dans la vie, c'est que nous oublions très souvent et très rapidement. And when the problems of life comes, we are panicking because we are not remembering who we are and what God is doing for us. Et lorsque des problèmes surgissent dans notre vie, alors nous paniquons parce que nous ne nous rappelons pas qui nous sommes et ce que Dieu fait en notre faveur. You know, one of the greatest sins in the Bible is to forget. Un des péchés les plus graves dans la Bible, c'est celui d'oublier. And we are really with the lack of memory so often. Et nous nous trouvons vraiment en état d'amnésie très souvent. We need to remember how often in the Bible you have that, especially in the book of Deuteronomy. Remember the goodness and kindness of God. Nous devons nous rappeler, comme il est dit dans le livre de Deutéronome, nous devons nous rappeler de la bonté, de la miséricorde de Dieu. And now, you know, we have here that statement. Yes, Daniel, you are this beloved of God. Et là, nous voyons cette déclaration qui parvient jusqu'à Daniel. Daniel, tu es un homme bien aimé de Dieu. Well, we now have to ask who was talking to Daniel. Alors, la question, bien entendu, se pose. Quel est ce messager qui s'adresse à Daniel? Who was that person who was sent to Daniel and touched him? Qui est cette personne qui a été envoyée à Daniel et qui l'a touché? You need really to read more in that chapter in order to discover that that hand who touched him was not a hand of Jesus, what he when he saw him before. Il faut bien comprendre que la main qui touche Daniel, ce n'était pas la main de Jésus qu'il a vu dans la description qui a été faite auparavant. It's another person who was sent now to speak to Daniel. Mais c'est une autre personne qui a été envoyée pour parler à Daniel. And that that person already was with Daniel before. Et cette personne avait déjà auparavant été avec Daniel. And here that statements are very clearly saying that he was Gabriel. Et à travers ces déclarations, nous pouvons comprendre clairement qu'il s'agit de Gabriel. And in and this you know angel who was already with him in the chapter 7 and 8. Et cet ange Gabriel hein, qui était déjà avec Daniel au chapitre 7, au chapitre 8. Now he is speaking to him and interpreting and presenting this great controversy. Et là maintenant, il parle avec Daniel et lui donne l'explication, lui présente cette grande controverse. And the statement goes from verse 12 on. Et à partir du verset 12, do not be afraid, Daniel. Il est dit, Daniel, ne crains rien. Since the first day that you set your mind to gain understanding and to humble yourself before your God, your words were heard. Car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. So you see that he is praying. He's asking for a better understanding of the mysteries of God. Donc nous comprenons que Daniel prie et qu'il demande à Dieu de lui accorder une meilleure compréhension des événements qui lui sont présentés. And because Daniel was still trembling before the presence of God, he tells him, "Do not be afraid." Et parce que Daniel était encore tout tremblant devant la manifestation de Dieu, alors on lui dit, "Ne crains rien, Daniel." You are highly esteemed. You are the beloved of God. Ne crains rien. Tu es bien aimé de Dieu. Tu es très estimé de l'Éternel. And God heard your prayers. Et l'Éternel a entendu ta prière. You had in your mind that you want to understand better. Et il est clair que dans ton esprit, tu désirais mieux comprendre. And in chapter 9, you know that Daniel was searching
After having vision about 2,300 evenings and mornings in chapter 8. Et Daniel au chapitre 9 cherche à comprendre la grande vision. Rappelez-vous au chapitre 8 lorsqu'il est question des 2,300 soirs et matins. And we can read in the beginning of chapter 9 that for 10 years he was studying the scriptures. Et nous comprenons en lisant le début du chapitre 9 que pendant 10 ans il étudie et fouille les Écritures. And then in chapter 9, God gives him the insight. Et au chapitre 9, alors Dieu lui accorde l'entendement, la compréhension. But after that, Daniel is praying for even more understanding. Mais après cela, Daniel prie pour avoir encore davantage de compréhension. So, yes, Gabriel is saying to him, from the first day that you set your mind to gain understanding and to humble yourself before your God, your words were heard. Et là, Gabriel lui dit, donc dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. And I have come in response to them. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. You know, the whole heaven is in movement to help God's people. Donc le ciel tout entier se met en mouvement pour venir à l'aide du peuple de Dieu. The whole heaven is in movement to finish the work God is giving them. Le ciel tout entier se met en mouvement pour les aider à terminer l'œuvre que Dieu leur a confiée. But it's important that we are to disposition that God can really do these things through us. Mais c'est important pour nous d'être à la disposition de Dieu de telle sorte que lui-même puisse accomplir son travail à travers nous. Because God decided that he will not speak from heaven to whole humanity. Parce que Dieu a décidé qu'il ne s'adresserait pas à l'humanité tout entière depuis le ciel. God also decided that he will not send angels, that they will speak in different cities of the world. Et Dieu avait décidé également qu'il n'enverrait pas des anges qui parleraient dans différentes villes du monde. God decided that he will call his disciples. Dieu a décidé d'appeler ses disciples. And his disciples, you and me, et will go and be his witnesses in the world. Ses disciples, c'est-à-dire vous et moi, eh bien seraient ses témoins dans le monde entier. And this is our task. Et voilà notre tâche. And the whole heaven is here in order to help us with that task. Et le ciel tout entier est prêt à nous venir en aide pour que cette mission soit accomplie. This work is not our work and it does not depend on us. Donc cette œuvre-là n'est pas notre œuvre et ça ne dépend pas de nous. Because God will accomplish it. Parce que Dieu l'accomplira. But he wants to accomplish it with us. Mais il désire accomplir cette œuvre avec nous. Not in spite of us. Pas en dépit de nous ou malgré nous. Yes, and in spite of our own weaknesses, God is able to do it when we give to him our weakness. Mais en dépit de notre propre faiblesse, Dieu est désireux d'accomplir son œuvre en nous utilisant si nous nous remettons totalement entre ses mains. And even Daniel had the best brain, we can say. Et Daniel qui avait un esprit brillant, nous le savons. He is understanding that he needs to have special insight, special understanding. Lui, cet homme intelligent, comprend que malgré cela, il a besoin d'avoir cet éclairage divin, cette meilleure compréhension des choses. So he is humbling before God and saying, well, Lord, I don't know, but I know that I need to know you better. Alors il s'humilie devant Dieu en disant, Seigneur, je ne sais pas, mais je sais que j'ai besoin de te connaître encore mieux. And then you have the insight that behind the scene, in that spiritual warfare, there is a battle. Et nous savons, en regardant en coulisses de cette grande controverse, qu'il y a une grande bataille. Because verse 13 and 14 is telling us, you know, the prince of Persia, Persian kingdom, resisted me 21 days. Parce qu'on apprend dans les versets suivants, 13 et 14, que le prince, le chef du royaume de Perse, m'a résisté 21 jours. And then Gabriel is saying, but Michael, one of the chief princes, came to help me. Et Gabriel continue en disant, mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Because I was detained from there with the king of Persia. Et je suis demeuré là auprès des rois de Perse.
Now I have come to explain to you what will happen to your people in the future, for the wisdom concerns the time yet to come. Et au verset 14, nous apprenons qu'il est dit, je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. So Gabriel is explaining to Daniel, you know, I wanted to come even earlier. Gabriel explique donc à Daniel qu'il voulait venir même avant cela. But you know that there was a great battle. Mais il y avait une grande bataille. And this battle was for the mind of the leaders of the Medo-Persia Empire. Et cette bataille, c'était une bataille pour l'esprit des dirigeants de l'empire Médo-Perse. Like Satan wanted with all these forces of evil to retain and to block what I wanted to accomplish. Satan et les forces du mal, dit-il, voulaient bloquer les choses et empêcher que mon œuvre soit réalisée. But then I was with that prince of Persia. We can probably say that it was the Cambyses, the son of Cyrus, and I was struggling for his mind. Et j'étais là avec le prince de Perse, et on peut imaginer qu'il s'agit du fils du roi de Perse, et bien, et je bataillais avec lui. But I have to tell you, in that battle with that, you know, forces of evil, I was not alone. Somebody came to help me. Et dans cette bataille que je menais contre les forces du mal, je n'étais pas seul. Quelqu'un était avec moi, il est venu m'aider. And this was Michael. Et il s'agissait de Michael. And on Thursday night, I gave you plenty of texts in the Bible, all five of them, which shows that this Michael is nobody else than the different name for Jesus Christ. Et jeudi soir, je vous ai montré à la lumière de nombreux textes bibliques, eh bien, que Michael, qu'on présente dans la Bible sous différents noms, eh bien, n'est autre que Jésus-Christ lui-même. You know, the war, spiritual war is described, lorsque la guerre spirituelle est décrite, in the apocalyptic literature, dans la littérature apocalyptique, like in the book of Daniel and Revelation, comme par exemple dans le livre de Daniel ou le livre d'Apocalypse. So in that spiritual battle, Jesus Christ has a special name. Dans cette bataille spirituelle, Jésus est présenté sous un nom spécial. And this is Michael. Et il s'agit du nom Michael. Because this Michael means Michael, who is like God. Michael signifie qui est comme Dieu. And this is nobody as God, equal to the Heavenly Father, is only Jesus Christ. Il n'y a personne d'autre qui soit comme Dieu, égal au Père, sinon Jésus-Christ lui-même. So in that spiritual battle, in the book of Daniel and Revelation, like Revelation 12, as donc, you know, dans cette bataille spirituelle, à la fois dans le livre de Daniel et dans Apocalypse, par exemple Apocalypse 12, Jesus Christ is presented as Michael. Jésus-Christ est présenté comme étant Michael. Someone who is equal to God. Quelqu'un qui est égal à Dieu. And he, because he's stronger, he was helping Gabriel. Et lui, parce qu'il est plus fort, est venu en aide à Gabriel. And then you have from verse 15 another section. Et là vous avez une autre section à partir du verset 15. When you read while he was saying this to me. Et il est dit tandis qu'il m'adressait ces paroles. I bowed with my face toward the ground and was speechless. Je dirigeais mes regards vers la terre et je gardais le silence. Then one who looked like a man touched my lips. Et voici quelqu'un qui avait l'apparence des fils de l'homme toucha mes lèvres. And opened my mouth and began to speak. J'ouvris la bouche, je parlais. And I said to the one standing before me, I am overcome with anguish because of the vision, my Lord, and I am helpless. Et je dis à celui qui se tenait devant moi, mon Seigneur, la vision m'a rempli d'effroi et j'ai perdu toute vigueur. How can I, your servant, talk with you, my Lord? My strength is gone and I am hardly breathing. Comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur? Maintenant les forces me manquent et je n'ai plus de souffle. Again the one who looked like a man touched me and gave me strength. Alors celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. And now for the second time he's telling him, do not be afraid, O man. Au verset 19, pour la deuxième fois, la parole parvient à Daniel, ne crains rien. Because you are a man highly esteemed, beloved by God. Parce que tu es très estimé de Dieu, tu es un homme bien-aimé de Dieu. Peace. Que la paix soit avec be toi. Be strong. Courage, courage. Be strong. Sois fort.
This is a very encouraging word. Ce sont des paroles très encourageantes. You know, even you are walking with the Lord, sometimes you can feel overwhelmed. Mais vous savez, même lorsque vous marchez avec le Seigneur, parfois vous vous sentez submergé. Like without strength. Vous vous sentez sans aucune vigueur. And only strength comes from God. Mais la force ne vient que de l'Éternel. So you see that from verse 15 on, it's Gabriel again on the scene. Donc vous voyez à partir du verset 15 que c'est Gabriel qui est en scène là. And he is speaking like before with Daniel and assuring him that God is with him. Et comme auparavant, il s'adresse à Daniel en le rassurant encore, en lui disant que Dieu est avec lui. God is for us, never against us. Dieu est avec nous et jamais contre nous. And then we read at the end of verse 19, when he spoke to me, I was strengthened and said, speak my Lord. Since you have given me strength. Et à la fin du verset 19, il nous est dit, et comme il me parlait, je repris des forces et je dis que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. So he said, alors il dit, do you know why I have come to you? Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Soon I will return to fight against the prince of Persia, and then I go to the prince of Greece. Will come. Maintenant, je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse, et quand je partirai, voici le chef de Javan ou de Grèce viendra. So he speaks about future. Donc, il est en train de parler de l'avenir. That will be the spiritual battle going on, and he will be involved in that battle, trying to help God, the good forces of God, to lead in the right direction. Il y aura donc cette grande bataille spirituelle, et il sera là aux côtés du peuple de Dieu pour les amener dans la bonne direction dans le cadre de But cette God bataille. But God cannot force anything. He is always respecting free will. Mais Dieu ne force personne. Il respecte le libre arbitre des individus. And then he says, well, this will come, but first I will tell you what is written in the book of truth. Donc il continue et dit, je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. And no one supports me against them except Michael, your prince. Personne ne m'aide contre cela, excepté Michael, votre chef. And he says, well, in the first year of Darius the Mede, I took my stand to support and protect him. Et il est dit après cela, et moi, la première année de Darius, nous sommes au chapitre 11, le Mède, j'étais auprès de lui pour l'aider et le soutenir. So what we have here, he's saying, you know, Daniel, I want that you know that I was standing also beside Darius the Mede. Et ce qu'il dit, c'est que Daniel, tu sais, moi aussi, j'étais à côté de Darius le Mède. Who was Darius the Mede? Qui était Darius le Mède? He was the one who sent Daniel to the lion's den. C'est lui qui avait envoyé, je fais jeter Daniel dans la fosse aux lions. And then, when he saw what this God of Daniel could do, et lorsqu'il a réalisé ce que pouvait faire le Dieu de Daniel, he made a decree which goes was issued to the whole world. Et il a publié un décret pour le monde entier. And at the end of chapter 6 you can read what was there. Et vous vous rappelez ce qui est dit à la fin du chapitre 6. You know, I issued a decree that in every part of my kingdom people must fear and reverence the God of Daniel. Alors, vous vous rappelez comment le décret avait été publié par le roi, demandant à ce que les uns et les autres puissent respecter le Dieu de Daniel. 7:26. Oui. For he, this God of Daniel, is a living God. Parce que le Dieu de Daniel est un Dieu vivant. And he endures forever. Et il subsiste éternellement. His kingdom will be not destroyed. Son royaume ne sera jamais détruit. His dominion will never end. Et sa domination durera jusqu'à la fin. He rescues and he saves. C'est lui qui délivre et qui sauve. He performs signs and wonders. Qui opère des signes et des prodiges. In the heavens, but also on the earth. Dans les cieux, mais aussi sur la terre. And he has rescued Daniel from the power of the lion. Et c'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. You see, the forces of evil help also Darius, the forces of good help Darius to come to the right understanding of the nature, true nature of God. Et vous savez, donc les forces du bien
ont été également aux côtés de Darius pour l'aider à bien comprendre la véritable nature du Dieu que servait Daniel. You know, I took my stand to support and protect Darius the Mede. Donc il dit, nous l'avons lu hein, au chapitre 11, je pris mon temps hein, pour être à côté de Darius le Mède et l'aider à comprendre, pour l'aider et le soutenir. Well, and then you have chapter 11, which now continues the interpretation of the great controversy which will be in the world. Et le chapitre 11 poursuit en expliquant la grande controverse qu'il y aura donc dans le monde. Well, what is the main point in this great controversy which will now Gabriel explain to Daniel? Et quel est donc le point central de cette grande controverse que Gabriel est en train d'expliquer à Daniel? What is the main point? Quel est le point central? Well, the main point is what is at the very end of that vision. Eh bien, le point central, c'est ce qui se trouve à la fin même de cette vision. Because this point is not about empires, about Medo-Persia or Greece or Rome or Antichrist. Il ne s'agit pas donc dans ce point central de parler des différents empires, l'empire des Mèdes et des Perses ou des Grecs, etc., ou de l'Antichrist. C'est pas ça le point central. But the main point is about God. Le point central, eh bien, il s'agit de Dieu lui-même. I told you right on Thursday evening that the main point in the story of the book of Daniel. Et rappelez-vous, je vous l'ai dit jeudi soir, le point central dans le livre de Daniel, in that meta-narrative of that story, dans cette grande narration de l'histoire, the main point is God himself. Eh bien, le point central, c'est Dieu lui-même. Amen. It's not about us. Il ne s'agit pas de nous. Or about the Antichrist, or about Babylon. Ou de l'Antichrist ou de Babylone. All this revelation is centered on God. Cette révélation est centré sur Dieu lui-même. This is why our life need to be always God-centered and not anthropocentric. Et c'est pourquoi nos vies doivent être toujours centrées sur Dieu et non pas sur nous-mêmes. Now, Apostle Paul, for example, is explaining very nice in 1 Corinthians 10, verse 31. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 10, verset 31, l'explique de manière magnifique d'ailleurs. He says, well, whatever you do, il dit, quoi que vous fassiez, if you eat, que vous mangez, or if you drink, ou que vous buviez, or whatever you do, ou que vous fassiez quelque autre chose, do it to what? Faites-le pour for la gloire, your own benefit. Pour votre propre bénéfice. C'est ça? Is it what is c'est that? Ça? This is what we usually interpret, you know? Parfois, c'est ce que l'on donne comme interprétation. Whatever you eat or drink or do, do it for yourself, for the benefit of you mangez, or your family, your church. Quoi que vous buviez, quoi que vous fassiez, quelque autre chose, faites-le pour le bénéfice de vous-même, de votre famille, de votre église. But no. Pas du because tout. Because all this is centered here. Parce que tout ce que nous venons de dire là, eh bien, montre que c'est centré sur nous-mêmes. But whatever we do or whatever we eat or drink, we Mais should do to the glory of quoi que nous fassions, God. Quoi que nous mangions, quoi que nous buvions, nous devons le faire pour la gloire de Dieu. Our life need to be always God-centered. Nos vies doivent être toujours centrées sur Dieu. And this is what again the end of the book of Daniel once again is pointing to. Et là, c'est ce qu'indique encore la dernière partie du livre de Daniel. Because now from the time when Daniel is leaving, it was in now 535 before Christ. Au moment où Daniel s'en va, nous sommes dans l'année 535 avant Jésus-Christ. The revelation is given to him and saying, you know, remember Daniel, the main point is what I will do for you. Avant qu'il ne s'en aille donc, eh bien, il lui est rappelé, rappelle-toi, le point central, c'est ce que je vais faire moi pour le peuple. What I will do for my people. Ce que je vais faire pour toi, ce que je vais faire pour mon peuple. And the culmination of everything. Et la combinaison de toutes ces choses. It's of that vision is actually in the beginning of chapter 12. Et le point culminant donc se trouve au début du chapitre 12 de Daniel. When again Michael is at the center. Et là encore, on retrouve Michael au centre. And Michael, this great prince. Et Michael, le grand chef. Who protects your people? Le défenseur will des enfants de ton peuple. Eh bien, il se lèvera. You know, Michael was in the beginning of this vision. Michael était donc au début de cette vision.
You know, it was this man dressed in linen. Donc, rappelez-vous, c'est cet homme vêtu de lin. Now this man dressed in linen has a name. Et maintenant, cet homme vêtu de lin, il a un nom. And this great warrior is the priest. It's not with the sword to kill, but he's a conqueror. Donc, c'est un conquérant. C'est pas un soldat avec une épée dans la main. C'est un conquérant victorieux. But now that a man dressed in linen has a name, Michael. Et nous avons maintenant un nom pour cet homme habillé de lin. Il s'agit de Michael. But strangely enough, mais chose étrange, in all this chapter 11, and it's a long chapter. Dans tout ce chapitre 11, qui est un chapitre très long, it's like 45 verses. Il y a à peu près 45 versets. Like behind everything. On a l'impression que Michael est derrière. Il se trouve derrière tout ce qui se passe. He's not in forefront. Il n'est pas sur le devant de la scène. Il est en retrait. He's all the time behind the scene. Il est toujours en retrait, en coulisses. But now, in the beginning of chapter 12, he is in the forefront. Mais au début du chapitre 12, alors là, il se retrouve sur le devant de la scène. Because all this great controversy is now culminating. Parce que, eh bien, cette grande controverse arrive à son point culminant. So the Michael is in the leadership position. Et Michael adopte là une position de leader. Il est au leadership. And you read that now Michael is standing, rising to protect God's people. Et c'est pourquoi il est dit au début du chapitre 12 que Michael se lève, le grand chef, pour défendre son peuple. And then is the description of that last short period of time before the second coming of Jesus. Une description de cette courte période qui va précéder la venue de Jésus. Where the forces of evil are released, no more grace and good evil are restraining. Où les forces du mal réalisent qu'il n'y a plus de temps de grâce et que les forces du mal seront relâchées. But then Michael is intervening and delivering his people from this distress. Et c'est là où on voit Michael intervenir pour délivrer son peuple de cette grande détresse. You read in verse 1 at the end, but at that time your people, everyone whose name is found written in the book, it means in the book of life, in the book of the Lamb. À la fin du verset premier du chapitre 12, il est dit en ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre, et on parle là du livre de vie, du livre de l'agneau. People will be delivered. Alors ceux-là seront sauvés, délivrés. They will be rescued, they will be saved. Ils seront délivrés, ils seront sauvés. By whom? Par qui est-ce? By Michael. Par Michael. By Jesus Christ. Par Jésus-Christ lui-même. This is nothing else than a description of what Jesus is doing at the very end, and then culminating with the second coming of Jesus. Et là, nous n'avons rien d'autre que la description de ce que Jésus fait dans la toute dernière période de l'histoire, juste avant la venue de Jésus. And then you have, and the multitude who sleep in the dust of the earth will awake. Et là, nous apprenons au verset 2 que plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière se réveilleront. And some to everlasting life, others to shame and everlasting contempt. Les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. So you see now, this is culminating what God will do. Donc vous voyez là, nous arrivons au point culminant, ce que Dieu va réaliser. Like here before, like in the background, il est but là, now en at coulisses. The end, personally involved. On voit Dieu agir en coulisses, en retrait, et puis là, à la fin, eh bien, il est personnellement impliqué. Il est au devant de la scène. He will rescue those who are under the great pressure. Il va sauver, délivrer ceux qui sont sous la pression extrême. And he will resurrect those who died in faith in Christ Jesus. Et il va ressusciter ceux qui sont morts fidèles au Seigneur Jésus. And then you can now add what you have at the end of the chapter, verse 13. As for you, Daniel, you go now your way to the end. Et là, à la fin du chapitre 12, eh bien, on nous dit donc que Daniel, toi, tu te reposeras. You will rest. Tu te reposeras, Daniel. Death is a rest. Et nous considérons la mort comme étant un repos. From all these battles in life. Un repos de toutes ces batailles menées pendant la vie. Yes, you Daniel, you will sleep. Et toi Daniel, marche vers la fin, tu te reposeras maintenant.
And then at the end of the days, you will arise. Et à la fin des jours, tu seras debout pour ton héritage. To receive your allotted inheritance. Donc tu seras debout pour recevoir ton héritage. You see, the last word in the book of Daniel is about resurrection of the saints. Vous savez, la dernière parole dans le livre de Daniel a à voir avec la résurrection des saints. Because Daniel is a type for all those who are beloved by God. Daniel, c'est le symbole. Il représente tous ceux qui sont les bien-aimés de Dieu. And there will be the day of reunion. Et il y aura ce grand jour de la réunion. You see, chapter 11 is telling the whole story of God's people. Donc vous savez, ce chapitre nous montre l'histoire du peuple de Dieu. As in chapter 10, verse 14 was stated, you know, Daniel, I will now explain to you what will happen to your people in the future. Et là, au verset, which verse is it? 10:14. Au verset 14 du chapitre 10, il est dit, je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple. You see? What will happen on ton people? Ce qui arrivera donc à ton peuple. In the time of the in the following future. Dans la suite des temps. And God is with His people, but there is battle struggles. Donc Dieu est avec son peuple, mais il y a une bataille, il y a une lutte. But all these struggles is there for front, but God is like with His people. But not visible. Mais pendant toute cette bataille, cette lutte, on nous décrit la lutte, mais Dieu est en retrait. On a l'impression qu'on ne le voit pas. Il est en coulisses. But the time is coming. Mais vient le moment. Very soon. Très bientôt. This God who seems today like being far away and not seen. Ce Dieu qui aujourd'hui apparaît comme étant distant, invisible, qu'on ne voit pas. He will appear. He will come. Alors il fera son apparition. The Michael is the one who will appear. Ce Michael dont nous avons parlé, c'est lui qui apparaîtra. And he will rescue all those who are under the pressures of life. Et il délivrera tous ceux qui subissent les pressions de la vie. When all these forces of Antichrist, Babylonian forces, are trying to destroy God's people. Lorsque toutes ces forces du mal, les forces de l'Antichrist, les forces de Babylone chercheront à exterminer le peuple de Dieu. As we have it at the end of chapter 11. Comme nous avons vu à la fin du chapitre 11. When all would seem that these forces of the apostate, powers of Babylon will crush God's people. Lorsqu'on a l'impression que ces forces apostates, hein, les forces de Babylone, de l'Antichrist, eh bien chercheront à réduire à néant le peuple de Dieu. Then God is now visible. Eh bien, à ce moment-là, Dieu apparaît et il devient visible. And He comes to rescue. Et il vient pour quoi faire? Pour délivrer. To rescue those who are under this pressure. Pour sauver ceux qui sont sous cette extrême pression. And to resurrect those who believed in God. Et pour ressusciter ceux qui sont morts croyant fidèlement en Dieu. Who died in that hope and in that faith in God. Qui sont morts avec cette espérance et cette foi en Dieu. Now I have to tell you that I am looking forward to that day. Je dois vous dire que j'attends patiemment ce jour-là. When God will really become visible and we will see Him not only by faith as today. Oh, Dieu apparaîtra, il sera visible et nous le verrons non pas par la foi comme nous le voyons aujourd'hui. But face to face. Mais nous le verrons face à face. And this will be the best day and spectacular event when the whole universe is waiting for. Ce sera un grand jour, ce sera le moment le plus extraordinaire que tout l'univers attend. And this will be that great reunion when all these generations from Adam till now will be reunited as one family. Ce sera le moment de la grande réunion où toutes les générations depuis Adam jusqu'à aujourd'hui seront réunies donc pour former cette grande famille. And we will be with the Lord forever. Et nous serons avec l'Éternel pour toujours. Because He will establish His kingdom and this kingdom will never cease. Parce qu'il établira son royaume et son royaume subsistera éternellement. And this is this assurance of God through the book of Daniel. Et c'est cette assurance que nous donne Dieu à travers le livre de Daniel. God cares. God is in control. Dieu se soucie de nous. Dieu est au contrôle. Even though sometimes it looks that he is not, but he is. He will culminate the whole history with that spectacular
event of the second coming. Même si parfois nous avons l'impression qu'il n'est pas là, il est bien là et arrivera ce point culminant où il réalisera ce que nous avons dit. Il reviendra et nous délivrera. You know, I am looking for the day of resurrection. Et j'attends ce jour où il y aura la grande résurrection. Because at that day I will see for the first time my sister. Parce que ce jour-là, pour la première fois, je verrai ma sœur. My sister died when I was not yet born. J'ai une sœur qui est décédée, je n'étais même pas encore né. And she was only 3 weeks old. Elle est morte, elle n'avait que 3 semaines. But I have the hope that I will see her. Mais j'ai l'espérance de la voir un jour. I never knew her. Je ne l'ai jamais connue. But this will be a nice reunion. Mais ce sera vraiment le moment d'une grande réunion magnifique. 10 years ago, my father died. Il y a 10 ans de cela, mon père est décédé. Who brought me to Christ? C'est lui qui m'a amené à Christ. He explained to me these beautiful stories of the book of Daniel. Et il m'a expliqué ces merveilleux récits contenus dans le livre de Daniel. And I am looking forward to be again with him. Et j'attends ce jour où mon père et moi nous serons à nouveau réunis. Amen. And I am sure that you have many people who died in faith. Je suis persuadé que vous avez dans vos familles, votre connaissance, des personnes qui vous sont chères et qui sont mortes dans la foi. But they are no more here. Et qui ne sont plus avec nous maintenant. But one day soon. Mais bientôt, un jour viendra. There will be a day of resurrection. Eh bien, ce sera le jour de la grande résurrection. And it will be all the time of reunion. Et ce sera un moment où il y aura cette grande réunion. And not only our families, but big families and the whole family of humanity. Et pas seulement les membres de notre famille immédiate, mais la grande famille de toute l'humanité. And then we will have enough time to spend with the Lord all eternity. Et nous aurons tout le temps que nous voulons pour passer l'éternité avec Jésus-Christ. And to have time to talk and to work together for all eternity with all our friends and beloved ones. Nous aurons tout le temps qu'il faut pour parler avec Jésus et discuter avec tous nos amis, toutes les générations and pour l'éternité. And all will be our friends now. Et à ce moment-là, eh bien, tous seront nos amis à ce moment-là. Because everybody will be brother and sister. Parce que nous serons tous frères et sœurs. There will be nothing which will distract this harmony, joy, and peace. Et rien ne viendra déranger cette harmonie et cette paix. There will be no more 3 institutions in that kingdom of God. Il n'y aura plus de 3 institutions dans le royaume de Dieu. There will be no cemeteries. Il n'y aura plus de cimetière. There will be no prisons. Il n'y aura plus de prisons. And there will be no more hospitals. Et il n'y aura plus d'hôpitaux. Amen. Amen. May God bless us that we all are open to God and transparent to Him, that He can change us and transform us. Que Dieu nous bénisse de telle sorte que nous soyons vraiment ouverts à Dieu, de telle manière qu'il puisse nous transformer, nous changer. That we can reflect His beautiful character of love. Afin que nous puissions refléter son merveilleux caractère. And be His instruments of love and peace and joy in this world. Que nous soyons ses instruments de paix, d'amour et de joie dans ce monde. That we all can have part in this kingdom of God. Et que tous nous ayons part avec lui dans ce royaume des cieux. And live forever. Et que nous vivions avec lui éternellement. With this living God. Avec ce Dieu vivant. This God of Daniel. Le Dieu de Daniel. Amen. Amen. Let's stand for prayer. Mettons-nous debout pour cela. Oh Heavenly Father, oh, notre Père céleste, what a great message you have for us. Quel grand message magnifique tu as pour nous aujourd'hui. Message of hope. C'est un message d'espérance. Message of assurance. Un message d'assurance. Message of love. Un message d'amour. You love us more than we can appreciate. Tu nous aimes beaucoup plus que nous sommes en mesure de l'apprécier. But more we know you, le plus nous te connaissons. More we are standing in awe before you. Plus nous sommes debout avec admiration devant toi. And we really admire you. Nous t'admirons réellement, Seigneur. And we love you. Nous t'aimons. And we want to follow you. Et nous désirons te suivre. But you know our weaknesses. Mais tu connais, Seigneur, nos faiblesses. In order to follow you, we need
your guidance, pour your blessing. Que nous te suivons, nous avons besoin de ta direction, nous avons besoin de ta bénédiction. Because without you, we can do nothing. Parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. So bless us that we can be blessing for others. Alors bénis-nous de telle sorte que nous soyons des bénédictions pour les autres. Give us your power of your Holy Spirit. Accorde-nous la puissance de ton Saint-Esprit. This power which can transform our lives. Cette puissance qui peut transformer nos vies. And help us to accomplish your mission in our lives. Et nous aider à accomplir ton œuvre, ta mission dans nos vies. To proclaim your goodness and kindness to others. Proclamer ta bonté, ta miséricorde aux autres. That all our life can give glory to your name. De telle sorte que notre vie tout entière puisse donner gloire à ton nom. Well, thank you for this insight about great controversy. Merci Seigneur de cet éclairage que tu nous donnes sur cette grande controverse. And that great news that you are in control. Et c'est cette bonne nouvelle que tu nous donnes et qui nous dit que tu es au contrôle. That even though you are standing behind the scene. Et même s'il apparaît que tu es en retrait, en coulisses. Then you really care. Nous savons que tu prends vraiment soin de nous. And one day soon you will come and intervene personally. Et un jour viendra, tu feras ton apparition, tu interviendras personnellement. And we are looking for the day. Et nous attendons ce jour-là. So bless us, keep us. Alors bénis-nous, garde-nous, that, we can be strong in you. Afin que nous soyons forts en toi. Bless us with this Aaronic blessing and apostolic blessing. Bénis-nous, Seigneur, avec cette bénédiction apostolique. May the Lord bless you and keep you. Que le Seigneur te bénisse et te garde. May the Lord shine his face upon you and qu'il, be merciful to que you. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. May the Lord turn his face toward you. Qu'il tourne sa face vers toi. And give you peace. Et qu'il t'accorde sa paix. And may the grace of the Lord Jesus Christ. Et que la grâce du Seigneur Jésus-Christ. And the love of God. Et l'amour de Dieu. And the fellowship of the Holy Spirit. Et la communion du Saint-Esprit. Be with all of us. Soit avec nous tous. Amen. 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 God bless. Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.